Bonjour à tous et bienvenue sur Spotlight. Bonjour et bienvenue à toi, Moustique. Merci, Manuela, et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'avoir répondu présent et positivement à notre invitation. C'est normal, le plaisir est toujours partagé, contagieux et réciproque lorsqu'on est appelé par la télé, surtout qu'on sait que tous ceux qui nous regardent là se font de nous ce que nous sommes. Donc, automatiquement, on a leur service. Je suis votre boy, non? Donc voilà, Moustique, vraiment, nous sommes très contents de te recevoir aujourd'hui. Comme beaucoup le savent, Spotlight, c'est vraiment l'émission des pionniers, l'émission des rêveurs, l'émission des entrepreneurs et de ceux qui se battent au quotidien pour leurs rêves et qui les accomplissent avec brio. La première question ou la première interrogation qui m'a toujours venue à l'esprit, c'est de savoir pourquoi Moustique Charismatique, pourquoi ce nom en fait? Comment l'avoir choisi? Moustique Charismatique, avant d'être un nom, c'est une philosophie. Donc Moustique avec des petits moyens et charismatique, faire des choses qui impactent. Donc Moustique Charismatique avec des petits moyens, faire des choses qui impactent. Ça part de quoi? À l'époque, je faisais partie d'une troupe de théâtre, le Miroir de la Jeunesse, de la paroisse Marie Médiatrice d'Etoudi, c'est un quartier de Yaoundé, où on était soumis à une compétition, le prix de l'excellence jeunesse, c'était en 2005. Et étant donné que toutes les autres troupes qu'on devait affronter avaient des parents et des coachs, nous on n'en avait pas, du coup le reste de l'équipe flippait un peu. Donc moi, en tant que directeur artistique et metteur en scène tout le temps, j'étais là pour leur rappeler que non, c'est vrai qu'on n'a pas de coach, mais on peut. Nous sommes des moustiques charismatiques, donc avec des petits moyens qu'on a, on peut bousculer le truc. On allait en compétition, on a gagné. Mais avec le fil du temps, parce que la pyramide dans l'art est très, 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 très évidente. On est très nombreux à la base et très petits au sommet. Il y en a qui ont quitté le navire, je suis resté seul et j'ai décidé d'adopter cette philosophie-là. Moustique, charismatique, et aujourd'hui, avec des petits moyens, on réussit à impacter du mieux qu'on peut. Voilà. C'est le plus important et c'est vraiment ce qu'on devrait retenir. Alors comment, en fait, on voit que depuis longtemps, en fait, vous êtes toujours baigné dans ce milieu de l'art, etc. Comment vous en êtes arrivé là? Est-ce que ça s'est fait naturellement ou vous avez eu un déclic au niveau de la famille? Moi, je dis généralement qu'on est artiste, on devient juste artiste professionnel. Je suis né humoriste, je suis devenu humoriste professionnel, mais le sens de l'humour, c'est quelque chose qui est génétique, c'est inné le sens de l'humour. Donc voilà, en tant que Camerounais déjà, quand on vit dans une société comme celle dans laquelle on vit, on a toujours le sens de l'humour. Ouais. Mais maintenant, quand on voudrait en faire une profession et non plus une passion, ça devient tout autre chose. Donc ça part de la maison, avec mes frères à la maison en blague, de la maison pour de la chambre pour le salon, du salon pour la cour du quartier, salle de classe, podium des kermesses, et puis ça s'enchaîne. Et voilà quoi. Donc c'est vrai que je n'ai pas véritablement fait d'école en la matière, l'école conventionnelle non, mais je me suis beaucoup documenté, j'ai lu sur internet, j'ai regardé des vidéos des autres pour essayer de voir quelle était la différence entre les différents styles, essayer de faire des recherches, faire des impressions de revues, d'articles écrits par d'autres humoristes, et puis ça m'a permis d'avoir ce petit outillage professionnel et technique que j'ai. Ok, c'est intéressant, c'est surtout intéressant de voir que par rapport à ce que tu fais au quotidien, donc toi, ta personne et ton positionnement en tant que comédien, tu essayes d'apporter un plus sur la scène camerounaise pour les petits frères qui te regardent et qui aimeraient faire pareil. Notamment, on a pu remarquer les productions qui se font, que tu accompagnes. Comment ça se passe en fait au quotidien? J'ai compris que pour vivre éternellement, il faut avoir des descendants. Un papa, un parent qui vit sans avoir de progéniture vivra pour rien. Donc j'ai pensé que la lumière qui m'a été donnée par tous ceux qui me suivent aujourd'hui, il aurait fallu qu'à un certain moment, j'essaie de la restituer, de passer le flambeau. On ne demeure pas jeune éternellement. Ouais. Ça fait pratiquement 8 ans que j'ai embrassé la profession. Et en 8 années, c'est une ascension carrément palpable que j'ai vécu et beaucoup de bonheur aussi. Donc voilà, j'ai compris que des moustiques charismatiques, il y en a des milliers, beaucoup plus talentueux même, mais qui n'ont pas de tribune d'expression. J'ai eu une certaine crédibilité aujourd'hui, une certaine plateforme. Pourquoi ne pas l'offrir à ceux qui ont de la passion pour ce qu'ils vivent? Donc du coup, il y a des productions comme Black Panther, une série que je produis, qui est diffusé sur ma chaîne YouTube pour le moment. J'ai une grosse équipe parce que Moustiquaire, c'est un label qui regorge beaucoup d'artistes et beaucoup de techniciens. Il était question de roder d'abord l'équipe, de roder les projets, de voir où est-ce qu'on va aller, quel est l'impact et tout. On est satisfait maintenant. Donc après Black Panther, il y a beaucoup d'autres projets qui vont suivre. Oui, voilà. Donc là, on arrive vraiment à la fin. On voudrait juste, vous avez parlé de la passion, la détermination. Deux, trois recommandations pour ces jeunes frères, ces jeunes sœurs qui nous regardent et qui sont intéressés par ce corps de métier-là. Il faut être responsable.
responsable, c'est poser des actes et les assumer. Mm-hmm. En Afrique, on a un gros problème, c'est on n'a pas de structure d'encadrement, ouais, de génie. Voilà, les footballeurs, ils ont la chance, il y a des écoles de football. Et même là, ce ne sont pas les meilleurs qui réussissent. Il faut aller à l'école. Pour être humoriste, il faudrait être très intelligent déjà, être artiste. Il faudrait être très intelligent, savoir jouer avec les rhétoriques, savoir jouer avec les figures de style, les métaphores, savoir voir des jeux de mots, savoir écrire, savoir lire. C'est très important parce que pour se documenter, il faudrait s'outiller un peu. Aller à l'école, c'est très important. Mais ce que je dois vous dire déjà, c'est que c'est un métier où si tu n'as pas un cœur, si tu n'as pas un mental de guerrier, tu ne peux pas t'en sortir. C'est pourquoi je conseille toujours à tous mes jeunes frères d'aller à l'école au maximum et de faire de l'humour une passion avant de penser à faire une profession. Parce que quand tu as une profession, d'abord y avoir l'humour comme passion, tu peux facilement avec ta profession nourrir ta passion. C'est très délicat. Moi, j'ai fait un choix qui a peut-être payé, mais je ne suis pas sûr que pour toi ça paiera. Donc du coup, évite de mettre tes œufs dans le même panier. Il faut être conscient. Surtout aller à l'école. Aller à l'école, c'est important. Et ne pensez pas que ceux qui réussissent sont 6 mains. Non, on a tous 2 bras, 2 jambes, un cerveau, 2 yeux. Alors ta réussite dépend de toi. Donne-toi les moyens de t'en sortir. Et puis c'est tchakap dans ton système. Merci beaucoup Moustique pour ces mots d'encouragement pour ces jeunes qui nous regardent. J'espère que vous avez retenu la leçon et que il ne suffit pas seulement de rêver, mais il faut se mettre au travail, il faut aller à l'école, il faut se donner les moyens de réussir comme il a dit. Ce sera tout pour aujourd'hui sur Spotlight. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien d'ici là. Au revoir.